Salut à tous, bienvenue à Riyad. On a de la chance aujourd'hui parce qu'il fait très beau hein, sur le stade du Roi Fahd. Pierre Ménès qui est à fond, à bloc, à de la première journée dans ce groupe du tournoi d'avant-saison. On devrait assister hein, a priori à un bon match, hein, Pierre. C'est une première rencontre de préparation aujourd'hui, c'est le moment de se remettre dans le bain. Salut à tous, on espère vivre un grand moment de football ici au stade du Roi Abdallah. Pour vous commenter tout ça, vous pourrez compter sur moi et sur Pierre Ménès. La suite de ce tournoi d'avant-saison avec la deuxième journée de la phase de groupe. Ouais, il est passé. Oh, il était tout seul face au gardien. Oh, l'occasion. Ah, il a manqué de lucidité, de relâchement. Pas la peine de chercher plus loin. Il y a pas mal de monde pour le presser. Marcos Alonso. Jorginho maintenant. Rodriguez. Les joueurs de l'Inter qui vont essayer de mettre la pression. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Ah, c'est bien défendu. Rodriguez. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. C'est principal. Il se présente face au gardien. Le gardien qui repousse. Il le joue à deux. Rodriguez. Il progresse. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Attention, il a lâché Kepa. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Voilà qui file en corner. En deux temps, ce corner.
Rodriguez. Attention à la frappe de loin. Oh, quelle puissance dans cette frappe! Oh, c'est hallucinant! Et on voit, le gardien ne bouge presque pas au départ du ballon. La frappe lointaine est magnifique. Vers ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Chelsea qui n'a plus le ballon, qui l'a perdu. Il progresse. La frappe était pas mal, mais elle ne trouve pas le cadre. Ouais, on sent que l'équipe cherche le but du chaos en ce moment. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ça va être compliqué. Ouais, bien vu pour éviter le tacle. Marcos Alonso. Thiago Silva.
Thank you everyone for coming. Thank you. Can we take your seats and we'll start getting the questions in now. Thank you. Quel match vous est proposé aujourd'hui? C'est vraiment l'affiche dont on parle depuis un long moment maintenant. Eh bien, on n'a jamais été aussi près. Le temps d'une petite respiration et on se retrouve ici à Wembley pour le début du match. De la saison de football ici en Angleterre avec le FA Community Shield qui va opposer le vainqueur de la Premier League au vainqueur de la FA Cup, Arsenal contre Liverpool. Oui, le FA Community Shield, c'est déjà l'occasion de soulever un premier trophée et ça n'apporte que du bon, même si longtemps, ça a apporté malheur au vainqueur qui n'était jamais champion la saison suivante. Liverpool, ça fait partie vraiment des mythes du foot européen. Ouais, avec un stade qui peut compter sur des supporters incroyables. C'est pas qu'Anfield au niveau architectural soit hyper impressionnant, mais l'ambiance y est géniale. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. J'ai hâte de voir comment ces deux équipes vont aborder ce match. Thomas. Qui va changer de camp. Le centre de Sadio Mané. Un club qui a connu un bouleversement dans son staff technique avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Avec une mission qu'il connaît bien. Il faut qualifier. Son Baker qui repousse, c'est pas terminé. Et quelle occasion. Ça se demandait s'il n'est pas arrivé un peu tôt dans ce match. Un ballon perdu pour Arsenal. Tentative de loin. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Un gardien qui repousse du point. Il prend sa chance. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. Puis-Najdoum. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Thomas Partey. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, elle passe tout près du cadre cette reprise. C'était pourtant très bien exécuté avec un peu de réussite, c'était au fond. Davis. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. Un ballon qui est donné en profondeur. Oh, le ballon dangereux. Et ça fait but après un gros travail de harcèlement sur l'adversaire. Ils l'ont harcelé et ils ont porté le coup fatal. Fatal, j'en sais rien, mais pour revenir à ce but, tu as raison. Il doit tout à leur volonté de monter au pressing en permanence. Ça va les encourager à continuer.
Regardez ce qui fait la diff dans cette action. Et bien évidemment, c'est le centre en retrait. Ensuite, le gardien est complètement battu à 2 contre 1. C'est... Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Roberto Firmino. Un bon ballon à jouer pour les Reds. Oh, la faute, l'attaque qui a été stoppée par cette grosse faute. Et ça ne m'étonnerait pas que l'arbitre sorte un jaune. Le gardien qui prend le temps de placer son mur, il est dangereux ce coup franc. Oh, c'est à côté! Oh, c'est pas passé loin! Ouais, c'est une occasion nette qui s'envole. Il faut pas perdre le ballon. L'arbitre laisse l'avantage à Arsenal. Il a débordé la défense. La frappe. Bon, là, ils sont allés vraiment au but. Hein. Direct. Ils sont pas posés de questions. Ouais, t'as vu, techniquement, c'était pas folichon et pourtant, ça a marché. On revoit cette excellente inspiration, centre en retrait, toute la défense est surprise. Et ensuite, frappe à mi-distance, imparable, puissante. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Roberto Firmino. Ah, c'est propre ça. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Oh, le numéro qu'il nous fait et ça va être dangereux. Ah oui, cette fois c'est fait. Une première période qui vire à la démonstration. Mohamed Salah, attention, ça peut être dangereux. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Va-t-il parvenir à centrer ? Oh, ça peut faire but! Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Mendy. Bernd Leno. Thomas. Deux minutes de plus, au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Allez, qui frappe ! L'arbitre qui siffle la mi-temps. Match qui reprend pour Liverpool qui doit absolument redresser la barre. Ça se passe mal pour l'instant. Et le ballon perdu sur cette passe d'Alcantara. Thomas. Sergio Aguero. Il fallait le récupérer hein, ce ballon. Anderson. Attention, il n'a pas le droit à l'erreur, il ne faut pas perdre le ballon. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Et finalement, le ballon est à nouveau pour les Reds de Liverpool. Bonne récupération. La passe de Mohamed Salah, mais c'est perdu. Et c'était une rumeur, mais c'est maintenant un transfert officiel.
Pierre-Emerick Aubameyang a signé au Real Madrid en provenance d'Arsenal. Quand je vois la somme qui a été déboursée dans cette transaction, je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule. Chaka. Attention, on ne peut plus l'arrêter, attention. Attention à nouveau. Son Becker, attention, il a relâché le ballon. Wijnaldum. Robertson. Et Mets qui perd le ballon. Kun Agüero qui s'enfonce. La voie est libre pour Sadio Mané. Et on sent que l'entraîneur veut un jeu plus direct. Il a demandé à tout le monde de se projeter rapidement vers l'avant. L'entraîneur opère un changement tactique et demande à ses joueurs de se ruer en attaque. Pas de souci de construction pour autant. Roberto Firmino. Oh là là, l'occasion. Il est parti trop tôt, dommage. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers, il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Ousmane Dembélé. Oh, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. L'entraîneur qui va faire un changement. Il récupère le ballon. Fabinho. La passe de Fabinho, elle a été interceptée. Kun Agüero. Ils reprennent possession du ballon. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. eSports vous permettra de suivre un match de Première Ligue avec cette rencontre. Arsenal affrontera West Ham à l'extérieur. Ça devrait être une bonne rencontre de Première Ligue avec de l'intensité dans les duels et tout ce qui fait le charme du foot anglais. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Et le but, oh qu'elle est belle! Quelle reprise! Techniquement, c'est parfait, magnifique! Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Bon, on va pas se mentir, ils sont en train de prendre une grosse raclée là. Une équipe de Liverpool très en dessous de ce qu'elle est capable de faire. Évidemment, les supporters sont déçus. Puis il faut dire que... Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Contre-attaque qui n'ira pas plus loin, le ballon est perdu. Plus que 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Salah. Ah, c'est quand même risqué de tacler comme ça dans la surface. Il a pris le risque. Chaka. Le ballon est intercepté par Van Dijk. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. C'est donc terminé avec la victoire de cette équipe dans ce Community Shield. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà,
Il faut être bien placé sur la photo, là, si possible. Voilà, alors, ceux qui n'ont pas de goût, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la dérision, tu la retrouveras dans les...